Yo tout le monde, c'est Sortek, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de Black Ops 1. Donc on va faire ce qu'on devait faire. Donc oui, en fait je vous fais cette vidéo juste après avoir fait la deuxième vidéo. Donc je fais la suite vraiment. Je suis dedans, ça me tente pas de prendre un an pour... Mais comment qu'on tire? Ah ok, ouais. Ça me tente pas de prendre un an pour faire une vidéo à chaque semaine. Je trouvais que c'était un peu ennuyant parce que bon, si j'ai pas le temps, c'est comme voilà, c'est. Et puis là, je me disais, j'ai le temps, fait que je vais le faire. Ouf, putain, ça éclate. Shit. Ouais. Non, je suis pas très bon. Non, je vais essayer de me concentrer. Oui, comme l'autre fois, parce que là, ça va pas le faire encore une fois. Je suis vraiment trop nul. Wouhou! Ouais, faut vraiment que je me concentre parce que sinon je vais pas réussir. Et puis ça me tente de réussir, hein, je veux pas le rater. Et puis ouais, voilà. Et puis ouais, voilà. Donc je sais pas si j'ai encore si j'ai été pris pour code QG ou code CF. Donc peut-être au moment où vous écoutez cette vidéo, vous le savez vous, mais moi je sais pas. Ouf. My god, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, c'est pas grave. Ouf. Ouais, je vais essayer de pas me déconcentrer avec mon arme parce que là. Ouh, wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il veut lui? Wow. J'ai fait un epic drift. Ok, je contrôle plus rien. Ok. Oh. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle même. Oh, ok. C'était épique, difficile tellement, là. Ils se détruisent en quelques balles. Voilà. La moto. Je vais juste détruire ça, voilà. C'est chaud, hein, je vous dis, c'est pas facile. Je sais qu'on est à facile, mais c'est assez compliqué. Donc oui, le train. Oh. Ouh, oui. Ouais, il y a des petits lags, je sais pas pourquoi. Phase 8, 13-9, liberté. Pour toi, Messard, pas pour moi. 13-9. Oh. C'est dommage. Donc, on va regarder ça. Oui. Du moins pour un temps. Oh, c'était la fin de l'autre mission, en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, en fait, j'avais oublié de dire quelque chose. Oui, c'est ça. Dans la précédente vidéo, j'avais dit que j'allais faire le let's play de Code Ghost plus tard. Donc, je suis désolé pour les gens qui voulaient voir ça, mais je m'en fous un petit peu. Donc, oui, Code Ghost. En fait, je vous ai pas dit que j'allais probablement faire la carrière sans filmer. Je vais vous en parler de ça, je veux juste voir s'il y a quelque chose. Ouais, il y a une cinématique, donc je vous en parle juste après. Tu as été blanchi et convoqué au Patagone. Jason Hudson était mon contact. On y est. Pourquoi le Patagone? Hudson m'a rien dit. À l'autorisation. Votre convoi est prêt, monsieur. Bienvenue au Patagone. On est en retard. Secrétaire McNamara. Votre réputation vous précède, monsieur. Dépêchez-vous. C'est tout de même la sécurité nationale qui est en jeu. Il ne craint personne, n'a pas d'état d'âme, pas de faiblesse. Il s'appelle Dragovic.
je crois que vous êtes déjà rencontré. Quand dois-je le tuer? Content que vous soyez de retour, Mason. Notre invité. Il est là. C'était comme si tout le monde nous regardait. Me regardait. On pouvait se fier à personne, alors. Même pas à soi-même. D'où notre présence, Mason, pour pouvoir t'évaluer. La crème de la crème mondiale. Juste ici. Toujours disponible. On a toujours gardé l'œil sur toi. C'est impossible. J'étais au Pentagone. Vous pouvez dire qu'on est là. Mot de passe, monsieur. Autorisation Prospero. Héros distingué. Je me souviens. J'entendais des nombres. Je pouvais pas les sortir de ma tête. Distingué. Autorisation Ariel. VIP. Je sentais un truc me dévorer. Quoi, Mason? Le centre d'opération. Je crois pouvoir dire que la civilisation a été plus d'une fois sauvée. Je sais pas. J'étais comme dans un rêve. Phase 2, s'élever des ténèbres. Phase 3, pluie de feu. Tu te rapprochais de ton objectif. Ça fonctionnait. Ça marche toujours. Impressionnant, hein? Sycorax. Ce sanctuaire a été bâti en 1943. On l'utilise rarement. Merci, monsieur le secrétaire. Bonne chance, Mason. Monsieur le président. Agent Mason. C'est un honneur, monsieur le président. Asseyez-vous. Nous sommes sous la menace des communistes. Notre liberté, notre mode de vie est en danger. Nikita Dragovitch. On me dit que vous êtes notre meilleur homme. En tout point. Je vous le souhaite. Monsieur Mason. Chargez-vous de ça. Donc voilà, donc de quoi qu'on parle. Donc on a fait une longue cinématique qui a pris quasiment toute la vidéo. Donc on va essayer de faire vite. Mais si la vidéo dure 30 minutes, bon ben elle durera 30 minutes là, ça reste, je peux rien y faire. Donc oui, voilà, donc en fait c'est ce Call of Duty Ghost, parce que tout le long je vais l'avoir, et puis moi sérieusement je vais la faire la campagne sans vidéo. Mais GTA 5 et Watch Dogs, je vais les faire avec vous, je vais pas les faire avant, je vais pas les faire après. Oui, je vais les faire après, mais voilà, donc je vais les faire avec vous, donc je serai rien. Parce que bon voilà, et Ghost, je vais l'avoir, donc parce que ça va prendre un peu de temps, puis je me suis dit, après, oh non, je vais... Faut qu'on y aille. Donc voilà. Donc je me rappelle cette mission un peu. Ouvre l'œil, les sols. Super cool. Je me rappelle. Ouais. On y va. On les armes qu'on a. Ok, ouais, pas super. Je me rappelle, j'avais aimé cette mission, mais me semble qu'elle est longue. Soyuz 1 va bientôt décoller.
On est en route, à vous. Compris. On n'a plus beaucoup de temps, Mason. On y va. Mais voilà, donc vous avez vu, hein, dans la cinématique, les graphismes, je crois que c'est la meilleure cinématique qui montre les graphismes. C'est dégueulasse. Oh my god, j'étais comme non, ta gueule. Comme quand vous avez vu le président, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Vous avez vu, ses doigts sont dégueulasses. C'est vraiment, là, moi les graphismes, je les déteste. Mais pas grave, là, c'est le jeu qui compte, donc oui, les graphismes comptent quand même, mais voilà. Tiens, regardez. Ah oui, là, ça va être génial, ça va être... Le combat a commencé. Voilà Soyouz 2. Décollage prévu 10 minutes après Soyouz 1. Droitement, bâtiment des coms. Mason, il y a de l'activité sur la route, va voir ça. Merde, c'est Weaver. Ils l'ont chopé. Votre collègue se refuse à expliquer sa présence dans cette enceinte. Putain, c'est qui, ça? Rendez-vous. Et vous aurez tous la vie sauve. C'est Kravchenko, le sous-commandant de Dragovich. C'est votre dernière chance. On ne peut rien faire, Mason. Weaver est foutu. Je sais. Tant pis. Ça sent l'embrouille. Donc voilà, c'est super cool, hein. J'ai fucking dit que c'était super cool, mais ouais, ça défonce, c'est là. C'est pas grave. Mais voilà, donc, j'espère qu'elle sera pas si longue. Je veux pas qu'elle dure 30 minutes, c'est le maximum, mais ça dure 40 minutes, c'est... ouais, c'est un petit peu trop, donc je veux pas qu'elle... Ouais, c'est ça. C'est plus la cinématique qui a duré 5 minutes environ. Donc je trouve que c'est un petit peu emmerdant, mais voilà. C'est... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Grouille-toi, j'ai quelque chose à foutre, moi. Ok, on est à 12 minutes. C'est correct pour l'instant. Allez. Et me lâche pas. Non, je te lâcherai pas, juré. Donc voilà, donc je vous parle de ça, les let's play que je vais faire, les nouveaux. C'est pas sûr encore parce que je change toujours d'idée, mais lui, sérieusement, je voudrais vraiment pas changer d'idée. Ce qui m'étonnerait, hein, je changerais probablement pas d'idée pour... Je peux pas courir. Pourquoi je peux pas courir? Voilà. Ouais, c'est super. Ouf. Oh, j'aimerais pas ça être à la place de la personne parce que, wow, c'est assez dégueulasse. Faire planter un couteau dans le cou, dans la nuque, dans l'anus. Voyons, pourquoi ça bug? Ah, je peux rien. Ok, je peux pas tourner. Ok. Ouais, là, on va changer. Sauver Weaver était plus important que ton objectif de tuer Dragovich. Weaver était russe. Mais il était sympa. Donc je crois qu'à la prochaine cinématique un peu comme ça, là, je crois qu'on va arrêter scène. Parce que sérieusement, je veux... Voilà. la vidéo passée, la deuxième vidéo, elle était pas assez longue. Il manquait 3 minutes. Et puis elle va être trop longue. Voilà. Ne tire pas, joue ton rôle. Hey, собаки, по коротке. Ладно, будьте начеку. Если чёртовы псы будут брекать... T'es pas beau. T'es pas beau. Oups. C'est bon. Oh, j'ai rien en vrai de ce qu'a dit, mais en tout cas... C'est bon, elle devrait être devant. On va voir nos armes. Ouais, on a changé d'armes. Ouais, c'est normal. Donc les armes qu'on avait au début servaient à rien. Donc ça, c'est nos... des personnes de notre équipe. Je crois que ça se voit, hein. C'est pas normal. Weaver, il a été compromis. On continue comme prévu. On se créera une autre occasion. Bon. Ouais, mais c'est subtil, ça. Il y a plein d'hélicoptères, puis là, ces corps-là. Oh, boy. Oh, on sait pas. Il s'est rien passé. Ah, ben non. Il aurait pu le mettre dans le véhicule, je sais pas, mais. Повышение давления. В отсаке 12. Может остановить? Нет. Вспомогательная система, должная вспомогалование, любые колебания. Ouais, les graphismes, ils se sont vraiment améliorés dans... Je crois qu'ils ont trouvé les cadavres. Dans...
code BO2 parce que sérieusement les graphismes sont dégueulasses. Je sais pas, appelez comme vous voulez, très bon, n'importe quoi, mais moi sérieusement je l'ai détesté. C'est le seul défaut du jeu. Donc je crois, hein, je crois. On a ce problème, Vanoy. T'es prêt? Non, de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ok, c'est sûr. Nettoie bien tous les étages. Je coupe les communications. Ouais, mais ça va être silencieux, tu sais. Oh, wow, wow. Wow! Moi, je knife parce que. Je. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je veux pas. On lance ta grenade. Ouais, je me suis nettement amélioré avec mes putains et mes mots insensés. Je sais pas si ça c'est comme ça, mais ouais, lui c'était beau. Oh non, je vais regarder mon magnum. Ça va être beau. Ça va être des beaux petits kills. Ouais, ouais. T'as un dead. Ok, je dois monter ici. Je crois que là, je vais changer d'arme. J'ai tout à recharger. C'est good. Voilà. Ouh. Non. Sérieusement, je pense pas qu'il serait mort, mais en tout cas. Ouh, ouais, j'ai voulu faire le bon, mais ça a pas marché. Fonctionne. Bon. Ok, mais c'est où qu'il faut que j'aille? Ah ouais, c'est droit ici. Je crois. Mason, par ici. Ouais. Arbalète, point explosif. Vite. Oh, on est à 17 minutes, ouais. Ça va pas le faire, mais en tout cas. Ennemi, on approche par le nord. On est coincé. On a de la compagnie. Voilà, là, je crois. Oh, qui lance des bombes. Ouais, ouais, ouais. Je croyais que c'était lui avec la. Protéger. Ok, il faut que je lui protège. Ok, ouais, ouais. Ça va être assez facile. C'est pas si difficile. Je crois. Ah ok, non, je vais garder mes bombes parce que. Allez, 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 allez. Je vais perdre ma mission, j'espère pas. Putain, dans ta gueule. Dans ta gueule aussi. Allez, tuez-le là quand même, vous êtes pas assez nul. Ouais, let's go, là, faut que je joue un petit peu à l'arbalète normale. C'est un gosse là. C'est assez difficile, je sais pas, je suis pas très bon au sniper, mais. Les coups de feu attirent l'attention. C'est connard. Sécurise la corde. Toi, tu tires. Fais vite, mais. Oh, ok, c'était une corde, ouais. Je me rappelais de ça, mais je croyais pas que c'était avec cette arme là, mais. Voilà. C'est réglé. Et voilà. Bon à droite. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner. Je sais que je coupe assez raide, mais trop tard pour la jouer fine. Mais voilà, il y en a qui viennent d'arriver, donc je dois couper là. Donc ah, en plus ça tombe bien. Donc on va finir là-dessus. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Non. Je devais tuer Dragovic. Bullseye.